Ampuccio. អង្គជំរះប្រតាប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការហើយលើព្រឹកនេះអង្គជំរះធ្វើសម្ណការស្ដាប់សក្កិកម្មសក្កិសីស៊ីវហេដឺបន្តដែលនឹងសួរដេញដល់ដោយក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផនហើយមុននឹងផ្ដល់វិទ្យាការជូនទៅក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកស្រីសែកកលវិធីនឹងរៀបការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះ ក៏អញ្ជើញអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ណការនេះសូមគ្រប់លោកធានសម្រាប់សម្ណការថ្ងៃនេះគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានសូមកត់សម្គាល់ដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនដែលនៅពីខាងក្រោមបន្ទប់សម្ណការនេះតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពចំណែកឯសាក់សីលោក Stephen Header លោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះសូមអរគុណលោកធាន អរគុណលោកស្រីសាយកលវិធីជាបន្តទៅនេះឲ្យមានផ្ដល់វិទ្យាការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងជំនួយដេញដោលចំពោះសាក់សីសូមផ្អាកតិចសិនលោកស្រីមេធាវីលោក Steve Header លោកមានបញ្ហាអី If I might be allowed I'd like to make three very quick points on translation and terminology since that comes up again and again. គឺថាខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាក្យដែលបកប្រែនោះសូមឲ្យលោកចៅក្រមអនុញ្ញាតគឺខ្ញុំលើកតែ3ពាក្យទេដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ភាំងច្រឡំគ្នាបាទអរអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញលោក Steve Thank you. Steve. This world of code numbers and abbreviations. As I've been told in numerous interviews, this language was designed, intended to be obscure and opaque, designed and intended to leave outsiders confused and uncertain as to its meaning. The second point is that to deal with this kind of language, both scholars and intelligence people like those who work for FBIS developed a set of conventions for translating this kind of language across all communist parties. And that's I try to follow those conventions that were developed by scholars and people working for organizations like FBIS. And third, very quickly, what this means is that the things that I'm characterizing as mistakes in the translation are not mistakes that arise as a result of some general incompetence on the part of translators. It doesn't reflect on their general competence. All it reflects on is a bit of unfamiliarity with these conventions. So these are not, in some sense, translation errors. They're errors in the usage of certain established scholarly and intelligence world conventions. So I just wanted to make all that clear before we go on. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à Mesdames et Messieurs de la Chambre. Bonjour à l'ensemble des partis. Bonjour, Monsieur Header. Je vous remercie de vos précisions de ce matin et je vais continuer à évoquer les différents vocables et éventuelles traductions relatives à cette période du Kampuchea démocratique. Juste un point de précision. Comment dit-on comité central? Comment vous dites comité central en khmer? Comité central, Well, the full version would be Kana Kamatika Macham. Et la version courte? Well, it could be Kana Macham, which would be Central Kam,
But already when you do that, there's ambiguity. It could refer to the head of the Central Committee, or it could refer to one individual from within the Central Committee. And this convention was used throughout the hierarchy. So if you refer to Kanak Tumbon, which is Sector Kam, you don't know whether it's the sector, on the face of it, you don't know whether it's the Sector Committee, the Secretary of the Sector Committee, or one of the members of the Sector Committee. So it's only through context that you can be absolutely sure what is meant, or close to sure as to what is meant. Je poursuis. À l'audience du 15 juillet, aux alentours de 9h29, Monsieur le coprocureur a évoqué votre article Set Candidates for Prosecution, document E3/48, et notamment la page 65 en anglais. Donc je donne les différents URN. En anglais, 00393553. En français, 00729654. Et en khmer, 007-42-609. Et donc, voilà la citation. Vous évoquez des rapports et vous dites « Ces rapports étaient parfois adressés précisément à Pol Pot, y compris selon une abréviation ou son alias 009. Mais plus souvent, ils étaient simplement adressés à frères ou à l'organisation ou au comité central désigné par son nom de code 870. » Fin de citation. Ma question est de savoir à la date de la rédaction de cet article, quelles étaient vos sources factuelles, documentaires, etc., pour indiquer que Pol Pot signait parfois, enfin qu'on s'adressait parfois à Pol Pot avec le code 009. Et est-ce que, par la suite, dans le cadre de votre travail au sein des bureaux des co-procureurs ou des cours d'instruction, vous avez eu d'autres documents pour corroborer cette appellation 009? The answer to the first question, if I recall correctly, is that the basic research for this ultimately produced this published report was in the late 90s, 99, 2000. The documentary basis included material that was already in my possession, mostly received via David Chandler, and material that was made available to me by BC Cam. Some, but not all, I think, of the telegrams and reports and comparable or similar material that was later available for the court. I don't recall specifically seeing any new usage of the code 009. When I was working at the court, anything that I had not previously seen. I think that my recollection is that's a relatively unusual formulation. I'd also say, since it's in the text, where I say the Central Committee by its code number 870, I wouldn't
stick by that formulation now for what it's worth. As I've said, I think in earlier testimony, I think it's better to understand 870 is referring to a level in the structure rather than anything specific at that level. So it's, to use an analogy, it's like Americans or American politicians talking about Washington. It means those guys up there and those things up there at the top, and then this is a coded reference to it. But who in Washington, what in Washington is left unspecified? Toujours sur ce point, je voudrais savoir si, dans le cadre, vous l'avez déjà indiqué hier, que vous aviez eu, dans le cadre de vos activités au sein des CETC, accès à l'ensemble du dossier, est-ce que vous avez également eu accès aux déclarations de M. Khieu Samphan devant les juges d'instruction? Yes. Sur ce point spécifique du code 870, dans son audition E3-37-ERN français 00-156681 en Khmer 00-156676 et en anglais 00-115-6754. Voilà ce qu'il dit à propos du comité, de 870. Je voudrais que l'on puisse, avec l'autorisation de Monsieur le Président, afficher cette partie de la déclaration. Voilà ce qui est indiqué. Le comité 870 et l'organisation 870, c'est le parti, c'est-à-dire Pol Pot. Celui-ci signait 870 ou 87. Quant au groupe de travail Krom Kanir 870, il s'agissait d'une subdivision de l'office 870. Fin de citation. Première question à ce sujet. Est-ce que, dans le cadre de vos enquêtes factuelles, avant, pendant ou après vos activités avec le tribunal, chez les juges d'instruction ou chez les procureurs, est-ce que vous avez eu accès à des documents dans lesquels il y avait des signatures 870 tout seul ou 87 tout seul qui correspondraient à la signature du document émanant de Pol Pot lui-même. Est-ce que vous avez eu accès à de tels documents ou de telles informations par d'autres sources, éventuellement des entretiens? To my recollection, there is no piece of paper familiar to me, either as a result of my involvement with the court or from any other source, that clearly specifies that the usage of these abbreviations, codes, in this particular manner must refer to Pol Pot. 87, to my recollection, was only used after January 79. It was very frequently used after January 79. And as I just said, I think now twice in various contexts, I mean, a phrase like COM 870 or organization 870 and similar such formulations for other levels within the party or other structures within the party, these are inherently
intentionally obscure and ambiguous. COM 870 could be the whole thing, the whole committee, the head of the committee, the secretary of the committee, or an individual member of the committee. ONCA, according to what I've been told, the way it's been explained to me, suggests a somewhat higher level. But again, how much higher is a matter for specification. So the only way that it's ever been made clear to me, or some people have attempted to make it clear to me in response to my questions to them, is you have to get into the actual practice, the actual specifics of what's going on in a particular instance. So as has been described to me at other levels within the party, depends on the reality of a particular zone secretary or sector secretary or district secretary. Do they operate collegially, or are they a little lord in their level of operation? So at various levels, the reality of the way in which it operates in reality has been described to me in different ways. And I would think that this is applicable to this level as well. So it could mean what was suggested here. It could mean something else. Not a simple translation problem. I'm a bit, no, I'm sorry to go on. This whole, the mention here of Krom Ka Ngia, work team or working group, 870. I must say that I never heard that formulation before I joined working UNAKRT to assist the trials. Nor, I must say, have I heard it since. So my recollection is that came up with the testimony of Kanga Kiyo Elias Duik, and I haven't seen it elsewhere. It's defined here as an office, as the office or an office, depending on whether you think it's singular or plural, 870. And that would require further testimony, further documentation for me to talk about. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant passer à d'abord à l'entretien que vous avez eu le 17 décembre 1996 avec M. Yang Sari, les transcriptions de cet entretien sont au document 3/89 et vous avez évoqué cet entretien à l'audience du 15 juillet dernier avec monsieur le coprocureur et notamment aux alentours de 14h48. Est-ce que cet entretien du 17 décembre 1996 est l'entretien le plus long que vous ayez eu avec M. Yang Sari? Yes. Je voudrais, c'est toujours, je suis toujours dans la question de la terminologie, je voudrais citer un passage de cette transcription et vous demander quel était le mot qui avait, enfin, et vous demander des précisions à ce sujet. Donc c'est le document E3/89. La page qui m'intéresse est au français 00-332-700, en Khmer 00-00-62-477 et en anglais 00-41-76-19. Peut-être pour plus de confort, je vais demander que l'on puisse vous remettre
l'intégralité de la transcription en, elle est en anglais et en khmer, de façon à ce que vous puissiez suivre avec l'aide de M. Lissier et l'autorisation de M. le Président. Et je demanderai qu'on puisse afficher la partie de ce passage en khmer hein, sur l'écran. Donc je vous répète peut-être pour que vous puissiez suivre le RN en anglais, enfin en khmer, puisque je pense que c'est la version khmer que vous, à laquelle vous vous référez. 00062477. C'est bon. Vous avez posé une question à Monsieur Yengsari. Et voilà ce qu'il vous répond. Donc je vous laisse, enfin, je vais peut-être lire l'ensemble de la question et l'ensemble de la réponse et vous puissiez me répondre plus précisément. Donc la question est la suivante. Au milieu de la question. Alors je pense que si c'était la hiérarchie, ce serait Nguyen Chuai que son parent. Cela veut dire en un mot qu'en gestion de l'éducation, une personne est sur le front et une personne. Et quand il n'y a plus de front, il ne restait. Ok, je recommence. Au milieu de votre question, ça commence par. Alors, je pense que si c'était de la hiérarchie, ce serait Nguyen Chuai et que son pan. Cela voulait dire en un mot qu'en gestion de l'éducation, une personne. Et sur le front, une personne. Et quand il n'y avait plus de front, il ne restait que l'éducation. C'était ça? La réponse de Yengsari est la suivante. Là, c'était ce problème. C'était Khieu Sampan à l'époque qui était chef de bureau également. Mais il était chef de bureau de l'industrie. Alors, il y avait deux, trois chefs de bureau. Le chef de bureau était Pang, chef du bureau de l'économie. C'était ce Pang qui était le plus haut placé. Et le camarade Khieu Sampan, ce qu'on appelait le front, mais dans lequel il était également. Il s'occupait des intellectuels et du front. Donc, le chef de bureau, qui d'autre? Il y avait Lim, et il y avait un certain Poum. Poum était du côté de l'école. Oui, du côté de l'école. Il s'occupait de l'école et il allait directement à Nguyen Chuai pour tous les domaines. Nouvelle question de votre part. Ce Lim, c'était de quel côté? Réponse de Yengsari. Lim était du côté de la sécurité. Lim était responsable des gardes, mais pas de la sécurité. Oui, les gardes aussi. Entre parenthèses, après la mort de Pang, ce Lim était responsable de tout. C'est ça, il était responsable de tout ce Lim. Maintenant, il est mort aussi. Fin de citation. Je continue, pardon, c'était un Jarai. Fin de citation. La raison pour laquelle je vous expose ce passage, c'est que dans ce passage, on parle de Munti, je pense en khmer, vous pouvez me le confirmer, donc de bureau. On parle de bureau de l'industrie, mais en lisant ce passage, je ne vois pas de quel bureau il est question et je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer là-dessus sur de quel bureau vous parliez à ce moment-là et de quelle période vous parliez. Si vous vous souvenez, peut-être que vous avez besoin de compulser un peu plus le document pour pouvoir me répondre, mais en termes de vocable, il n'y a que bureau qui ne permet pas de savoir de quoi il est question. Merci.
I don't know if I can move what's on my screen or it has to be moved for me. But if it has to be moved for me, it has to be moved so that I can see the whole passage. It's cut off on one end, cut off at the top and the bottom. So I don't want to move it for her to show that I'm going to mess it up. Ah, there we go. So if I can I scroll over? Ah, I can do that. Sinon, Monsieur Eder, vous avez la version Khmer en papier. Yes. What's translated in the English appears to be, as office, appears to be Manti throughout. And your specific question with regard to Kyosampan is... Excusez-moi, Monsieur Eder, je pense que la version que je... qui est l'original de ce document, a priori, qui est la transcription de l'entretien que vous avez eu en khmer ou vous l'avez eu en anglais, cet entretien avec M. Yang Sari? Peut-être la première précision, parce que moi je vois que le document est originellement en khmer dans ma traduction en français. Donc peut-être première question, est-ce que cet entretien vous l'avez eu en khmer ou est-ce que vous l'avez eu en anglais avec M. Yang Sari? Khmer. D'accord. Et ce que vous avez affiché à l'écran, c'est bien la version khmer. D'accord. Donc, c'est vraiment à partir, comme vous avez évoqué la traduction en anglais à un moment pour répondre à ma question, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment le terme khmer et le contexte. Et notamment, quand on parle... de bureau avec deux personnes, Pong et Lim. Pour savoir de quel bureau on parle à ce moment-là. Si vous vous en souvenez. Well, reading through this passage in the context of what I've been told over the years by many people, and also in the context of documents and interviews to which I had access when I was at the court, there's reference to the office, the chairman of the office named Pong. You will recall that that's the name that's given in the document you showed me yesterday for the chairman of the Office of Administration. From many other sources, including interviews that I did myself, not court interviews, but my own interviews, that's the same office that was also known as S-71. And again, from interviews and not court and not... from my interviews, court interviews, court and non-court documents, but not including confessions, that's the office that oversaw a collection of other offices coded with the initial letter K, the first letter of the Khmer alphabet, K, then a number. And the person who appears here as Lim is also... is referred to by that name in some of the interviewing I've done, but in other interviewing it comes out as Lin with an N. And according to my own interviews, and also I believe, if I recall correctly, those of the court, this is the person who took over as chairman of this administrative office, 870 administrative office, alias office S-71. After Pong was purged, sent to F-21 in
around the middle of 1978. So he was replaced by this fellow Lim, alias Lin, who had previously been, if I recall correctly, the chairman of the K-1 office, or chairman of part of the K-1 office, under S-71, a former, as described here and other places, a former bodyguard of Pol Pot from the Northeast, who had security and bodyguard responsibilities vis-a-vis Pol Pot over a long period of time. The other people who are named Pum, the other person whose name Pum, and described as in charge of a school. He was, according to interviews, at least a member, maybe a vice chairman of S-71, a leading figure, if not the leading figure, in the Communist Party Youth League, and oversaw one of the K offices, which is responsible for party indoctrination at periodic meetings organized in Phnom Penh. If there's a specific question with regard to Khieu Samphan, I'm sorry, I've again forgotten it, how it's portrayed here and what, according to my interviews, it might mean. Dans ce même document, Yang Sari parle de bureau de l'industrie. Est-ce que c'est bien Munti qui est utilisé également dans la version Khmer à propos de Khieu Samphan? Yes, and he doesn't actually say chairman of the industry office per se. He says that he was, that Khieu Samphan was also an office chairman, but a chairman over there with industry or something like that. So it's not entirely specific or clear. So he's saying he was a chairman of an office, maybe on the industry side, maybe somewhere else. Et quand vous avez évoqué S-71, vous avez indiqué que c'était en lien avec 8 fins. C'était, alors, est-ce que je posais ma question différemment? Dans le cadre de vos recherches, de vos entretiens des éléments factuels dont vous avez eu à avoir connaissance avant, pendant ou après votre travail au sein des CETC, à l'instruction ou chez les coprocureurs, est-ce que le terme S-71 était rattaché au bureau 870? Est-ce que c'était un bureau qui travaillait en rapport avec 870? Mon confrère m'indique qu'en Khmer, on a traduit S21. Il ne s'agit pas de S21, mais de S71. Et je vous laisse répondre à la question. I've talked outside of the court context to some people who were present at the complex of party offices, which included the party headquarters before April 1975. And in those interviews, the explanation that's given to me is that already, at least by 1971, this code 870 was being used to refer to the center echelon of the party, and that in broad general terms, 870 was understood to be headquartered in this area near, sort of on the Kampong Cham, Kampong Thom border. And
Again, already in 1971, there was an office S-71, subordinated to which there were a number of other offices, some designated with a with the K, some designated with a B, some designated with a S, some designated with a KH. And the way in which S-71 has been described to me is as a kind of, it is as a kind of office of administration. Somebody has to take care of the stationery, the filing, the gasoline, the radios, the cars, the motorbikes, all of that stuff that makes it possible for any bureaucratic organization to function. And those people, although they may not have a lot of political power, they have to be people who are good and can provide all of those services. So the people who are in charge, I've been told, are normally somebody you can trust, somebody the boss can trust. I've also been told that within that office, S-71, or as part of it, there was something called a political office, which I was told was designated B-17. There's not a lot on that, but the way it was described to me was as a kind of secretary. So S-71, according to these accounts, has existed since at least 1971, and then moves into Phnom Penh. This is also based on interviews, and is elaborated, performing largely the same kinds of functions. At the same time, as we've seen from the document we examined yesterday, two separate offices are established, which in my interviews had never existed before. In other words, I never heard of the existence of Political Office 870 or this 870 Bureau, as I translated it yesterday. Never heard that nomenclature in connection with anything before April 75. And having discussed this matter of S-71 with people familiar with the Vietnamese and Chinese Communist Party structures, they have said to me that this is what in China and Vietnam is known as the General Office of the Party. Okay. With very, very similar functions as to those described by me with regard to S-71 before April 75 and after April 75. Finally, I'll just make one last point that in all of these interviews that I've done over the years, both before the court, while I was at the court, and since, there is enormous confusion about the difference between, if any, between Office S-71 and Office 870. In fact, in most of the interviews that I've done, people talk about Office 870 and then describe what other people tell me is Office S-71. So again, we're hit with confusion and ambiguity. Many, many people have identified Bong and then Lim to me as chairman of Office 870. On other occasions, people maybe whose understanding or knowledge is a little bit more inside say, well, no, it's actually S-71 that Bong was head of, and S-71 is just one of the offices of 870. So it's not the office 870 in English, it's an office 870 in English. And this is why it's hard to sort out what exactly is being referred to when any individual interviewee talks about Office 870. Could be one thing, could be something else. Without context, without specification, you can't be entirely sure.
J'en reviens toujours sur le même sujet, un autre extrait de la déclaration de M. Puissantin sur le sujet, donc E3-37, toujours les mêmes ERN, à savoir 00 en français, 00-156-681, en khmer 00-156-676, et en anglais 001-56-754. La question qui est posée à M. Kyosampan au Cojo d'instruction est la suivante. Pouvez-vous nous décrire la structure et la composition de l'Office 870 et ses Munti en Khmer qui est utilisé? Voilà la réponse. Il s'agissait d'un office du comité permanent. Il n'était composé que de deux personnes, Don et moi. Don, le président, était assisté de collaborateurs, dont Pang. Il était en charge de la partie politique. Pour ma part, comme je l'ai déjà indiqué, j'étais chargé d'établir un tableau des prix pour les coopératives, de la distribution des biens dans les régions sur les instructions du comité permanent et des relations avec le prince Norodom Sihanouk. Ça, bien sûr, avant la démission. Fin citation. Ma question est la suivante. Par rapport à ce que vous avez indiqué sur le fait que, ce que vous venez d'indiquer sur le fait que S71 pouvait avoir eu le rôle de bureau politique, est-ce que la déclaration telle que faite par M. Kyosampan sur ce point, vous avez pu avoir dans le cadre de vos des entretiens que vous avez eus avec d'autres personnes, avoir un écho par rapport à tout ce que vous venez d'indiquer sur la distinction Mr. President, my learned friend is misrepresenting what Mr. Heder has already said by using the words when you said about S71 as a political office. Mr. Heder has not put it in those terms. He has said that after April 1975, there was reference to the political office of 870 and the 870 Bureau. So please do not misrepresent what Mr. Heder has already said. Le mieux, Monsieur le Président, c'est que je demande à Monsieur. Le mieux, Monsieur le Président, c'est que je demande à Monsieur Heder de clarifier précisément. Est-ce que S71, dans le cadre de vos différentes de ces différents entretiens, de vos différentes enquêtes, a été appelé par les personnes que vous avez entendues ou les documents que vous avez pu rencontrer, a été appelé à certains moments, bureau politique, oui ou non? Au niveau, encore une fois, de vos références factuelles et avec l'usage habituel de simplement vous référer aux éléments factuels que vous avez. I'm sorry, I may have spoken in a confusing manner. The answer to your question is no. The S71 was never referred to, as, to my recollection, by anyone to whom I've spoken, as or the political office of 870. The description that's given of the The problem that I tried to raise was that this phrase, Munti 870, office 870,
many, many people to whom I had before the court while I was at the court, and since I left, talked about Office 870, and then gone on to describe Office S71, if I look at what they're talking about and compare it to other interviews. So if you, as I have often done, ask the question, who was the chairperson of Office 870? Indeed, some people will say, oh, it was Pong. Some people will say, Pong, and then it was, I can't remember. And some people say, oh, I remember, it was Lin. And some people say, no, it was Duan, and then it was Khieu Somphone. All of those things have been said to me. And this reflects, going back to my prefatory remarks, the results of the intentional obfuscation in the terminology. This was what it was designed to do, to make it hard for outsiders to figure out who's who and what. D'accord. Vous parlez des codes utilisés pour jeter la confusion. Était-ce dans le cadre des éléments factuels que vous avez réunis et par rapport à votre expérience au sein des CETC, est-ce que cela était cohérent avec d'autres bureaux, pas forcément le bureau 870, mais d'autres bureaux ou d'autres organes au cours desquels, pour lesquels il y avait différents codes et différents noms. Ou est-ce que, dans le cadre des entretiens que vous avez menés, il n'y a que pour le bureau 870 qu'il y a cette confusion et ce trouble? This having of a manti, having of an office, is something that, according to countless testimonies, existed throughout the entire party structure or hierarchy. Any party committee, any party-led structure, military organization, had to have, according to all of these accounts, an office, again, to take care of the paperwork, to issue invitations to meetings, to heat the gasoline, the kerosene, and so on and so forth. And, you know, it's a physical place to which people come, their files are kept. So at every level, and in every structure of any size, there was, on the one hand, a party committee led by a party secretary, deputy secretary, and more or less members, and then serving that party committee would be the office, whether or not the chairman of the office would be a member of the party committee, according to these interviews varied, probably yes, that is to say, in most instances, yes. And again, as I said, the way people have described it to me, you put somebody in whom you have confidence in terms of their administrative skills and in terms of their political and or personal reliability into that position, because effectively, as we all know from having been in any bureaucratic organization, those people are extremely important. It existed throughout the entire hierarchy. The thing that's
The establishment or the attempted establishment of this separate political office. That, to my knowledge, didn't exist at any other level. Et toujours dans le cadre des éléments factuels que vous avez vus à votre connaissance avant, pendant et après votre travail au sein de CETC, cet organe S71 que vous décrivez, si j'ai bien compris, comme un bureau administratif, est-ce que vous savez physiquement, quel est l'endroit physique où était situé ce bureau selon les déclarations que vous avez recueillies? À quel endroit était-il à Phnom Penh, si vous le savez, en fonction des éléments que vous avez recueillis? Wherever Bong wanted it to be on that particular day. It doesn't seem from the interviews I've had to have an established permanent headquarters for him. Often working out of K7. The so-called courier's office, which was on the waterfront near where Tapas used to be. I notice it's gone now. But it's, I haven't been able to establish from interviews that it had a permanent seat. Des informations factuelles que vous avez reçues au sujet de Pang et par rapport à la description que vous avez indiquée de la personne qui devait avoir la confiance du chef, est-ce que vous savez si Pang, selon les déclarations que vous avez reçues avant, pendant ou après votre travail au sein des CETC, que ce soit chez les procureurs ou que ce soit chez les juges d'instruction, est-ce que vous savez quelles étaient les relations, comment ont été décrites les relations entre Pang et Pol Pot? On a couple of occasions, in a couple of interviews, a handful, a small number, people have talked about believing that the two were extremely close, and that Pong was very much a confidant of Pol Pot in terms of all of these administrative matters. You can go back in time and people recall that before he was chairman of office, S-71 in the wartime period, that is to say from 1971, performed a similar function at office 100, which was the exile headquarters for the party in the mid-late 60s. And in that connection, I recall one or more interviews in which people said that it came as a great shock to them and left them extremely perplexed and worried when they heard that Pong had been arrested and accused of treason, because to their minds this was impossible that Pong could be a traitor, impossible that Pol Pot could have him arrested as a traitor. So that seemed to be indicative of their understanding of the, how close the two men were. Et toujours
Après l'arrestation de Pang, toujours en fonction des éléments factuels que vous avez recueillis avant, pendant ou après votre travail, vos activités au sein des bureaux des coprocureurs, des co-juges d'instruction au CETC, est-ce que, comme vous l'a indiqué Yang Sari dans l'extrait que je vous ai fait lire tout à l'heure, est-ce qu'on a bien dit que c'était Lim qui avait pris la suite de Pang? Est-ce que ça correspond, est-ce que l'extrait que je vous ai lu de votre entretien avec Yang Sari correspond à ce qui vous a été dit par d'autres personnes ou ce que vous avez éventuellement lu dans d'autres documents? Je vais reformuler, elle était peut-être trop longue. Dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure de votre extrait d'entretien avec M. Yang Sari, il parle de Pang en disant que lui a succédé Lim, un certain Lim, un Jarai. Ma question est la suivante. Est-ce que cette information telle qu'elle vous a été donnée par M. Yang Sari a été corroborée par d'autres éléments que vous avez pu recevoir avant, pendant ou après votre travail au sein des bureaux d'éco-juges d'instruction, indiquant que Lim aurait pris la suite de Pang, et ce jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens en 1979. Shortly before the arrival of the Vietnamese, I presume. The answer is definitely yes. Multiple sources on that, both before the court and during my time. Maybe not since, but certainly before the court and during my time at the court. Je vous remercie. Je vois que le temps avance. Je vais passer à un autre point. Toujours, pas sur le fond, là, c'est juste sur le contexte dans lequel vous avez interviewé M. Yang Sari le 17 décembre 1996 à l'audience au cours de laquelle vous avez évoqué la question avec monsieur le coprocureur, c'est-à-dire le 15 juillet, vous avez indiqué que... excusez-moi un instant, je retrouve mes références. Oui, que vous aviez eu le temps de préparer cet entretien avec Yang Sari, parce que... vous n'aviez pas pu le rencontrer immédiatement à Péline pour un problème de franchissement de frontières. L'entretien a lieu en septembre 1996. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle était la situation politique, la position politique de Yang Sari à ce moment-là? I guess at that time, December 96, he was still formally the head of the Democratic National Union Movement, which was a political organization formed out of those who had some of those who had broken away from the Khmer Rouge in the course of mostly the second half of 1996. Puisque vous évoquez le nom du mouvement de M. Yang Sari, à ce moment-là, je voudrais vous présenter un document rapidement pour savoir si vous le connaissez et si vous en aviez pris connaissance avant votre entretien avec lui. Avec l'aide de M. l'huissier, je souhaiterais qu'on puisse donner à M. Eder
le document E3-86 qui s'appelle « Les vérités sur le régime dictatorial de Pol Pot » en date du 8 septembre 1996. L'original étant en anglais. Et je voudrais savoir donc si vous aviez pris lecture de ce document avant votre entretien avec Aung Sari. La première page, les ERN en français 00614092, ERN en anglais 00081213, et ça se poursuit sur la page suivante, 00 et en Khmer 00224429. Ah oui, non, les ERN que je vous ai donné, pardon, en anglais, pour la première page, c'est 00-81-213, voilà, pour la première page. Donc, première question, est-ce que vous aviez eu connaissance de ce document avant de le rencontrer ? Yes, and this is actually, this document has my annotation on it. It says Aung Sari in the English, top right-hand side. The document came to the court either directly or indirectly via me. I'm not sure whether it came directly or came via DC CAN. This is actually the copy that I had in hand before I met Aung Sari. Donc, si je comprends bien, au moment où vous entretenez avec Aung Sari, vous savez qu'il y a une scission avec Pol Pot à ce moment-là. Et que donc, peut-être, la parole de M. Aung Sari à ce moment-là aura plus tendance à s'exprimer dans ce cadre-là après la scission avec Pol Pot. Nous sommes d'accord. Vous aviez en tête ce contexte-là quand vous l'avez rencontré. Yes. Un autre document que je voudrais vous faire identifier, c'est le document. Alors, à l'audience du 15 juillet 2013, vous avez évoqué votre article avec Monsieur le procureur, toujours Civet Candidate sans prosecution, le document E3-48. Et à ce moment-là, vous évoquez ce qui est à la source de votre note 361. Et là, je me réfère à la page de votre article. Cette candidat à la page en anglais 00-39-35-81 et en Khmer en 00-742-617, il n'y a a priori pas de RN en français. Et vous évoquez que vous avez cité des passages de Duc, enfin, de votre note de bas de page, c'est des passages de déclaration de Duc tels que figurant dans un article de Nat Thayer. Je voudrais que l'on puisse, avec l'autorisation de Monsieur le Président, remettre à Monsieur Eder le document E3-1915, qui est donc un article de Nat Thayer intitulé « La mort en détail ». Et je voudrais savoir si c'est bien du même article que nous parlons. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais qu'on remette l'article en anglais à Monsieur Eder.
C'est bien à cet article auquel vous faisiez référence dans votre propre article. Yes. Ma question est la suivante. En dehors des citations de cet article sur Duc évoquant une réunion secrète à laquelle M. Kyosampan aurait pris des notes, en dehors des déclarations de Duc, est-ce que vous avez d'autres éléments factuels relatifs à cette réunion qu'il évoque et dans cet article et à l'audience devant cette chambre? Et quand je vous demande d'autres références, je ne parle pas forcément de cet article-là, mais à la suite, toujours, des informations que vous avez pu prendre ailleurs dans le cadre de vos activités, avant, pendant ou après le CETC. I'm afraid on this one, I can't help. I don't recall specifically that this is the only such reference, but I also don't recall any other references. So, sorry, I can't help you. D'accord, je me contenterai de ce point pour le moment. Vous avez... Je passe maintenant à un autre point. Vous avez, lors de votre déposition à l'audience, évoqué votre entretien avec M. Kyosampan en date du 4 août 1980. Même chose que pour l'interview avec M. Yeng Sari. Je parle de l'entretien dont les références sont les suivantes, E3-203, donc entretien que vous avez largement évoqué avec monsieur le coprocureur. Je voudrais revenir sur les circonstances de l'entretien et la période. Nous sommes le 4 août 80. Est-ce que vous pouvez indiquer politiquement quand vous voyez monsieur Kyosampan, comment il se présente à vous? Quelle est sa position officielle à ce moment-là? I'm not sure I recall specifically. After the reshuffling of the Democratic Kampuchea government, but before the establishment of the coalition government of Democratic Kampuchea, I think he was prime minister of the Democratic Kampuchea government. But I wouldn't swear to it. Have to check my own chronology to be sure. Je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, qu'on puisse vous remettre un courrier que vous avez écrit le 11 août 2009 à l'attention des coachs d'instruction qui porte la cote E3-514. Les références qui m'intéressent sont à la page avec le tête de M. l'huissier, qu'on puisse remettre ce document à M. Heder. La page qui m'intéresse se trouve à l'ERN. La page qui m'intéresse se trouve à l'ERN en français. 00417794 en Khmer. 00401657 et en anglais. 00380171. C'est au deuxième paragraphe et je vais
lire, c'est la deuxième phrase du deuxième paragraphe en français. Vous parlez des documents que vous adressez au bureau de l'instruction et vous dites « L'une de ces pièces est une conférence de presse tenue par Khieu Samphan et un entretien en date du 4 août 1980. La conférence de presse et l'entretien se sont tenus alors que j'étais chercheur associé à l'Institut des études asiatiques de l'Université de Chulalongkorn et analyste consultant pour le bureau de la recherche externe du bureau du renseignement et de la recherche du département d'État des États-Unis et que j'effectuais des recherches sur le changement, sur les changements politiques récents et contemporains au Cambodge pour l'Institut et avec un financement du bureau. La conférence de presse et l'entretien ont eu lieu à l'occasion d'un déplacement que j'ai effectué avec plusieurs journalistes dans une partie de la province de Siem Reap, alors sous le contrôle du Parti communiste du Kampuchea, sur l'invitation des autorités et après que les représentants diplomatiques à Bangkok, Thaïlande, notamment Pen Vun Trien, aujourd'hui décédés, ont pris les dispositions nécessaires. La visite s'est déroulée sur 2 jours, durant lesquels Khieu Samphan a tenu sa conférence de presse auprès du groupe de visiteurs et s'est mis à la disposition des journalistes et de moi-même pour des entretiens. Outre ces entretiens, ont eu lieu plusieurs repas et conversations informelles avec Khieu Samphan, aucune d'elles n'ayant été enregistrée. Fin de citation. Au niveau du contexte de cet entretien, est-ce que nous sommes d'accord que c'est les autorités du Kampuchea, du Parti communiste à ce moment-là, qui vous invitent, vous et d'autres journalistes, à les rencontrer? C'est bien ça, c'est bien le contexte, c'est une invitation, il y a une volonté de communiquer de leur part, c'est bien ça? Donc, d'accord, je vais essayer de ralentir. C'est que je vois mon temps s'écouler à la vitesse grand V. Vous dites que... Est-ce que vous confirmez donc que cette conférence de presse a été effectuée à l'initiative du Parti communiste à l'époque, du Kampuchea? C'est à l'initiative des autorités. Yes. Et Monsieur Heder, est-ce que dans le cadre de cette invitation, vous avez eu des discussions avec les autres journalistes sur cette volonté de communiquer à l'époque des autorités à ce moment-là. I don't recall having done so. If I did so, it would at this time have been almost certainly only with journalists from the Kyoto News Service, with whom I worked informally rather closely in this period. Other journalists, I doubt whether I would have discussed it with. But I don't remember whether I discussed it beforehand with any of the journalists in my circle, former circle. Et quand vous vous êtes présenté à M. Khieu Samphan, déjà première question, est-ce que c'était la première fois que vous vous entreteniez avec lui? I believe so, yes. Donc, vous ne vous connaissiez pas auparavant, il n'y avait pas de relation amicale particulière entre vous deux. Yes and yes. Et
Vu la manière dont j'ai posé ma question en français, si la réponse est positive, je vais peut-être la reposer différemment. Vous n'aviez pas de relation particulière avec M. Khieu Samphan à cette époque? Yes, I had no particular ties. Comment vous êtes-vous présenté à M. Khieu Samphan? Est-ce que vous êtes présenté en tant que chercheur à l'Institut des études asiatiques, en tant que consultant pour le bureau de recherche du bureau des renseignements, ou en tant que journaliste? As a research fellow, as I explained the other day, this is merely the INR money is merely a matter of funding, as indicated here, not employment. So normally, if you're at SOAS and you get external funding, you're still at SOAS and you introduce yourself as SOAS or whichever university academic institution it might be. Donc c'est en votre qualité de chercheur que vous êtes présenté, c'est bien ça? Lok nai nom oi lok Khieu Samphan skol knong thana lok chi neak srau chriew ncheng men te? Yes. Et monsieur Eder, dans le cadre de cette casquette de chercheur, monsieur Khieu Samphan s'est mis à votre disposition comme il s'est mis à la disposition des journalistes à ce moment-là, comme vous l'avez décrit dans votre courrier au juge d'instruction. C'est bien ça. Yes. Lors de la conférence de presse à laquelle vous avez assisté, si j'ai bien compris, quel était le message qui était véhiculé à ce moment-là par les autorités du Parti communiste? Quelle était la raison pour laquelle ils avaient réuni tous ces journalistes et qu'est-ce qu'ils voulaient passer comme message? Qu'est-ce qu'ils ont fait passer comme message puisque vous étiez présent à la conférence de presse? The press conference, to my recollection, dealt primarily with, as it was put to me by Khieu Samphan and the others present, the struggle against the Vietnamese, to make it short. In other words, the post-January 1979 situation. Donc c'était une conférence de presse en relation avec le conflit armé qui prévalait à l'époque. On est d'accord. Yes. Dans le cadre des échanges que vous avez eus avec Khieu Samphan et les autres autorités qui étaient présentes, est-ce que la volonté du message qui a souhaité être passé était de montrer qu'il y avait une unité face à la lutte contre les Vietnamiens? Est-ce que c'est quelque chose qui a retenu votre attention ou pas dans le cadre du message qui était délivré par les autorités au moment de cette conférence de presse? Unity, I'm sorry, between Khieu Samphan and myself, Khieu Samphan on the one hand and myself and the journalist present on the other, or I'm not quite sure where the question, the direction in which the question points. Je vais être plus précise. Au moment où toutes ces personnalités du Kampuchea vous parlent, l'idée était-elle, selon votre expérience à ce moment-là, au moment de la conférence de presse, de montrer qu'il y avait une unité du mouvement face à la lutte contre les Vietnamiens? Mm,
If you mean, did it appear from what Khieu Somphan said in the press conference and what others present said outside of that context, including Khieu Somphan, but not only Khieu Somphan, whether they all seem to be in agreement on the need to expel the Vietnamese, the answer is certainly yes. And those others, as I think I said the other day, or maybe I didn't specify, included Sun Sen and Chuan Mun. Those are the two I remember most clearly having been present. So yes, they seemed, at least on the surface of it, to be in complete unity on that issue. Et est-il exact de dire que c'était le sujet essentiel de cette conférence de presse? C'était pour parler de l'offensive contre les Vietnamiens qui s'organisait et qui était active. Yes. Dans ces conditions, est-ce que vous, lorsque vous avez eu cet entretien avec M. Khieu Somphan, est-ce que vous attendiez à ce qu'il fasse des révélations particulières visant à se désolidariser du mouvement dans lequel il était à ce moment-là, qui était en guerre? Mr. President, I object on relevance. What's the relevance of what Mr. Hedder was expecting Khieu Somphan might say about an unrelated topic that's not an issue in this trial? It's irrelevant, and I object. Monsieur le Président, la pertinence est exactement la même question que j'ai posée sur le contexte dans lequel un entretien est donné. Le contenu de l'entretien, ce qu'on dit lorsqu'on a une position à l'instant T dans le cadre d'une configuration politique particulière, a des incidences sur ce que l'on peut dire ou sur ce que l'on ne peut pas dire. Donc ma question était de savoir si, compte tenu du contexte, ma question était de savoir si, compte tenu du contexte de guerre qu'il y a prévalé à l'époque, si M. Hedder, en posant ces questions, s'attendait à ce qu'il y ait une désolidarisation de M. Khieu Somphan sur ce qui s'était passé pendant la période du Kampuchea démocratique. C'était ça ma question et c'était ça la pertinence pour savoir, dans le contexte, comment il peut évaluer le contenu ou pas le contenu de ce qui a été dit par son interlocuteur et ce qu'il attendait de ses réponses. Mais le temps avance, je vais passer à un autre point et je verrai si la Chambre m'accorde 10 minutes supplémentaires si je peux revenir sur ce point. Toujours à l'audience du 11 juillet 2013 vers 15h38, vous avez évoqué avec Monsieur le procureur votre article Pol Pot et Khieu Somphan, E3/3169 et la note de bas de page, notamment plutôt la page 28 en anglais, ORN en français 00722089, ORN en anglais 00002770, ORN en Khmer 00711413. Et dans ce passage que vous avez évoqué à cette audience avec M. le procureur, vous dites: il est utile de citer les commentaires tenus par Khieu Somphan devant l'auteur en août 80, donc vous faites référence à l'entretien que vous avez eu avec lui à ce moment-là, et un document publié sous son autorité en juillet 87. Par rapport à ce document de juillet 87, je voudrais vous fournir un document avec l'aide de M. Huissier. Il s'agit du document E3
703-703. Et je voudrais savoir si c'est à ce document que vous faites allusion quand vous parlez d'un document publié sous l'autorité de Khieu Samphan en juillet 87. Avec l'aide de M. Lissier, je voudrais qu'on remette ce document E3-703 qui est intitulé La vérité et la justice à propos des massacres qui auraient été perpétrés par le Kampuchea démocratique de 1975 à 1978. Ce qui m'intéresse, c'est la première page dans toutes les langues, c'est-à-dire en français. Le RN 00693791. Le RN en anglais 00039999. Et en khmer 00700545. Est-ce que, lorsque vous évoquez dans l'ouvrage que je viens de citer, dans votre article, est-ce que c'est à ce document de juillet 87 que vous faites référence, qui est issu du bureau du vice-président, c'est à la page que je viens de citer, bureau du vice-président du Kampuchea démocratique chargé des affaires étrangères? Yes. Donc, si je comprends bien votre déclaration, enfin votre article, quand vous dites publié sous son autorité, c'est parce que figure la mention bureau du vice-président du Kampuchea démocratique chargé des affaires étrangères. C'est bien ça. C'est parce qu'à l'époque, il avait le titre et que c'est pour ça que vous dites sous son autorité. Je voudrais venir à la deuxième. Merci. Excusez-moi, effectivement, je vous voyais hocher la tête, mais je ne vous ai pas laissé répondre. Je voudrais venir à Je vais aller plus vite. Je vais laisser tomber le document. Je vais simplement vous poser une question dessus. En dehors de la mention bureau du vice-président du Kampuchea démocratique chargé des affaires étrangères, est-ce que vous savez est-ce que vous avez reçu des éléments, que ce soit avant, pendant ou après vos activités au sein des CETC et au sein des différents bureaux auxquels vous avez travaillé? Est-ce que vous avez des éléments factuels vous permettant de savoir quelle est la personne qui a rédigé ce document précisément, et si M. Khieu Samphan lui-même a participé à la rédaction de ce document? Est-ce que vous avez reçu des éléments sur ce point? Not to my recollection, no. Monsieur le Président, je vois qu'il est 10h20. Je n'ai qu'une seule page de questions, et c'est vraiment un dernier document qui figure au dossier que je voudrais pouvoir montrer à M. Eder, un document, un discours de Pol Pot évoquant M. Khieu Samphan, et je pourrais rapidement terminer. J'aurais besoin de 10 minutes supplémentaires si vous me les accordez. Je précise que ces 10 minutes correspondent aux 10 minutes de ce matin.
Yes, thank you, President. Before the President addresses the request for additional time by the Khieu Somphon defense, the President has asked me to clarify a couple of matters that the prosecutors have raised with the trial chamber by email. A first indication is that anything relating to matters that need discussion before the chamber closes the evidence portion of this trial will be an opportunity will be given probably early next week to do that. But there was one further matter that has just been raised, and if the prosecutors wish to address that following the conclusion of the Khieu Somphon's examination, then the chamber would like to know how long you require for that. Please. Thank you, Judge Cartwright. On that second matter, we would probably not need more than 15 to 20 minutes maximum to make submissions. សូមអញ្ជើញក្រោយចូល